Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils ont tout cassé, mais moi je regarde quand même la marque 2. Je préfère perdre un match 3-2 qu'un 0. Je ne réponds pas parce qu'on a tout ouvert, parce qu'on a tout fait pour la faire une reste ce troisième but pour égaliser. Ça reste là notre philosophie de jeu, même si au niveau de la construction de jeu, on va mettre plus d'accent, un peu moins, je dirais, prendre un peu moins de risques, comme je viens de le dire, dans certaines zones. Pour le reste, j'ai vu une bonne prestation de l'équipe du Luxembourg. On est dans la continuité de ce qu'on a compris. On va essayer, effectivement. On va tout faire pour encaisser moins de buts dans le futur. Les deux derniers matchs qu'on a joués ici au Marque, on n'a pas pris de buts. Donc, c'est pas fait des matchs comme ça. Pour moi, le bilan est très très positif parce qu'au niveau des prestations, on a été très très confirmant sur beaucoup de rencontres. On termine avec 4 points. Si on va pouvoir rentrer dans l'histoire du football de son joueur, on n'a pas ce monde, plus 4 points. Donc, même à ce niveau-là, on est dans les temps, même si je dois dire que si je regarde les prestations, que ce soit ici contre l'Ukraine, contre la Biélorussie, contre en Macédoine, où on perd avant une deuxième minute. Au niveau du tableau d'affichage, on aurait pu en prendre davantage. Mais je pense que c'est vraiment dans le futur. Peut-être lors de la prochaine qualification, on va très marquer avant une troisième minute. Donc je pense un jour c'est comme ça, l'autre jour c'est comme ça. Et grosso modo, il y a un pari de grosse satisfaction au niveau de. Surtout notre qualité de